comme vous pouvez le voir, du coup, la cinématique nous explique qu'il faut battre 10 colosses dans le but de sauver la jeune femme en détresse, comme dans beaucoup de jeux d'aventure. Graphiquement, il est vraiment magnifique. Déjà sur PS2 à l'époque, il était très très beau pour de la PS2. Effectivement, la PS2 à l'époque avait tendance un peu à galérer à le faire tourner correctement. Mais là, comme vous pouvez le voir, ça tourne plutôt bien. Hop, on va sortir du château. Donc là, les décors sont vraiment sublimes. On a notre destrier qui nous rejoint. Parce qu'il faut aller assez loin. Tac. Alors l'épée avec la lumière, c'est comme un GPS. Il suffit de prendre le soleil, de voir à peu près où ça nous emmène, et ça nous évite d'aller tout droit. Donc les mouvements du cheval aussi sont quand même plutôt beaux, le cheval est très réussi. Hop. À la manière d'un Zelda, c'est-à-dire on ne pousse pas, il faut taper avec ses pieds pour le faire accélérer. Hop. Il prend de la vitesse, et c'est parti. Vous avez pu découvrir Shadow of Colossus, comme vous avez pu voir, c'est très très beau. On en prend plein les yeux, c'est très poétique. Effectivement, pour ceux qui recherchent vraiment de l'action, on est plutôt sur un côté poétique, aventure, mais vraiment un très très bon jeu et un univers fantastique. Voilà, à bientôt.